L'éloignement est une aliénation de l'affection. Être éloigné, c'est avoir perdu l'affection et la communion que l'on partageait autrefois avec l'autre. Les conjoints en conflit deviennent éloignés lorsqu'ils ne parviennent pas à régler leurs différends. Les enfants rebelles deviennent éloignés de leurs parents lorsqu'ils refusent d'être guidés ou disciplinés. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont éloignés de Dieu. Genèse 3. Les gens se sont éloignés de lui depuis lors. Et Dieu recherche la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19. L'éloignement de Dieu et son appel à la réconciliation sont les thèmes majeurs de la Bible. Parce que Dieu est saint et parfait, il ne peut tolérer notre péché. Et notre rébellion contre ses commandements crée un éloignement de lui. Ésaïe 53, 6, Romains 6, 23. Nous ne pouvons pas venir en sa présence, nous attendre à ce que nos prières soient entendues ou marcher en communion avec Dieu lorsque nous sommes couverts de péché. Proverbe 28, 9. Si j'avais chéri l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur n'aurait pas écouté. Psaume 66, 18. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'adore et fait sa volonté, Dieu l'exauce.